Mesdames et messieurs, bienvenue à la Coupe Davis, la finale. Début du match, silence s'il vous plaît. Premier service. Ace. Deuxième service. Zéro. Revoyons ce magnifique point au ralenti. Je te rappelle. Troisième service. Bah du coup j'ai gagné. Ah, j'ai gagné. Ah, c'est génial. Ah, je suis super content. Ah, j'ai gagné. Merci à toutes, merci. Pardon. Merci. La raquette, vous voulez? Okay. Merci. Oh, elle est tellement belle, j'en ai tellement rêvé. Je suis vraiment très très heureuse d'avoir eu cette coupe. Bon, je pense que je la mérite quand même un peu parce que j'ai enchaîné 22 victoires cette année, donc 48 par KO. Ça me fait très plaisir. Je voudrais dédier cette victoire à l'association que je soutiens, qui me tient beaucoup à cœur, SOS Terre Battue. Voilà, parce que je trouve qu'il y en a marre. Et aussi un petit peu SOS Enfance Maltraitée, parce que je suis scandalisé vraiment quand je vois des parents qui délaissent leurs enfants. La dernière fois, j'ai demandé à un enfant, ah, il est mignon, le petit garçon, c'est votre fils. Et il m'a répondu, non, c'est pas mon fils, c'est son gars. Enfin voilà, vraiment. Et ça, vraiment, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Remercier aussi toute ma famille sans qui je serais jamais là. On est tenniswoman de père en fils. Mon père était une grande joueuse à l'époque. Je voudrais revenir vite fait sur les déclarations de John McEnroe qui a dit que la mafia a dirigé le tennis. Je suis d'accord avec toi, John, c'est inadmissible et il y a de plus en plus de raquettes dans le tennis. C'est vrai. Je tiens à m'excuser auprès du propriétaire de la Clio immatriculée dans le Gard. Mais en fait, comme il a mis une balle de tennis sur la tâche remorque, dès que je vois une balle, je tape. Du coup, elle est garée 200 mètres plus loin, mais il peut la récupérer. Et encore, vraiment, merci à tous. Je suis très heureuse. Ça me fait vraiment très plaisir. Bonjour, Cindy. Bonjour, excusez-moi, Nelson Montfort, à votre service. Quelques questions, s'il vous plaît, pour la plus merveilleuse et la plus divine des chaînes de France Télévisions, France Télévisions 2. Alors, première question. On vous voit exceller sur tous les terrains, mais quelle surface préférez-vous, herbe ou synthétique? Ah ben, je sais pas. J'ai jamais fumé de synthétique. Je peux pas dire. Dites-moi, le gouvernement russe vous attaque en justice. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Oui, j'ai vu que le gouvernement russe m'attaquait, mais je pense que, enfin, je leur ai dit que j'avais pas fait exprès. En fait, il y a un jour, j'ai fait un lob un petit peu trop appuyé, mais c'était vraiment pas dans mon intention de détruire la station Mir. Les autres tennismen français trouvent que les places pour assister au match sont beaucoup trop chères. Qu'en pensez-vous? Ah ben moi je suis d'accord. Moi personnellement je suis agacé de voir qu'il faut gasquer 100 euros pour aller voir un match. Alors quand on fait le compte, notre victoire... Les gens nous aident vraiment à la forger. Merci beaucoup, Cindy. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne chance pour merci la suite à vous de votre et longue merci carrière. Merci de votre. C'est pas de ma faute, hein, si la Coupe Davis. Et ben voilà,
ça démarre plutôt pas mal, je crois, avec Artus qu'on va devoir noter. Attention. Pop, 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 pop. Allez, voilà, pour moi, c'est Noël. Hein. On va essayer de donner les bonnes notes ce soir, quand ils le mériteront, évidemment. Attention. Suspense. Vous aimez bien vous habiller en gonzesse, quand même, j'ai remarqué. Non, hein. Mais là, c'est vrai que sur le thème, au début, je pensais faire un homme, mais je me suis dit qu'avec la carrure que j'ai, c'était tellement plus parlant, une femme. Et puis, c'est vrai que j'aime bien aussi. Ouais, bah oui, je vois ça. Faites un concours, je crois, avec Garnier, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, saluons aussi Santou, qui a très bien fait la voix de Nelson. Oui, un grand merci Montfort. À Guillaume, ouais, qui a fait la voix. J'ai reconnu la voix de Santou. On l'a reconnu quand même. Oui, on l'a reconnu quand même. Oui, c'était bien la voix, mais on a quand même reconnu Santou. Jean-Luc, sur 20, vous lui donnez 16. Ça va? Merci. Catherine, 16 aussi. Jean, 16 toujours. Moi, j'ai un petit faible pour Artus, je lui ai mis un point de plus, 17. Merci. Abonnez-vous en cliquant ici. Mesdames, messieurs, ce sketch s'inspire d'une histoire vraie. Elle s'est déroulée le 10 juin 2010 sur la terre battue du cours central de Roland-Garros. Le jour de la finale du tournoi du même nom, bien évidemment. Qui voyait s'affronter cette année-là le numéro 1 mondial de l'époque, Rafael Nadal, avec un autre joueur au palmarès peut-être moins prétentieux, je dirais, Mathieu Pinchina. Je sais, personne ne se souvient que j'étais là cette année-là, parce qu'en 2010, 20 footballeurs se sont enfermés dans un bus en Afrique du Sud. Tout le monde n'a parlé que de ça, occultant complètement mon exploit. Et pourtant, c'est comme ça que ça s'est passé. Monsieur Pinchina. Oui. Vous n'avez plus besoin d'aller boire ou d'aller aux toilettes? Non, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de changer de raquette, de tenue, de basket ou que sais-je encore? C'est bon, merci. Vous n'avez plus de crise d'asthme ou ça de crampes? Non, non, c'est bon aussi. Votre fracture à la jambe de tout à l'heure a l'air de s'être bien remise? Oui, mais ça c'est un miracle, monsieur l'arbitre, vraiment, que ça aille aussi vite, c'est... Tout à fait, oui, bien sûr. Nous pouvons reprendre donc? Oui, oui, oui. Parfait. Je vous rappelle les scores, 6-0, 6-0, 4-0. Pour qui? Pour monsieur Nadal. Ah oui. Qui mène dans le jeu en cours, 0-40. Deuxième service pour vous, monsieur Pinchina. Je sais pas toi, mais en tout cas, moi, ce petit break, ça m'a vachement fait du bien. Là, je me sens un autre homme. C'est un autre match qui va démarrer. Là, je suis remonté, mais comme une bretelle, mon pote. Si tu vas voir ça. Je vais te renvoyer bouffer les tortillas et plus vite que ça. Fais gaffe, je vais tellement t'humilier que même ta mère, elle voudra plus te parler. Jamais. Allez, vas-y, balance. Ah non, c'est à moi de servir, pardon. Une balle, s'il vous plaît. Merci. Regarde-la bien. Tu vas pas l'avoir passé, mon gars. Monsieur Pinchina. Quoi? Veuillez servir, s'il vous plaît. Mais j'allais le faire, ça va, oui, c'est bon. 0-40. Eh, ça va, vous arrêtez de parler tout le temps, là. Je veux me concentrer un peu. Ah! Faute. Et je suis sûr que le filet, il est beaucoup plus haut que d'habitude. C'est pas normal, ça. Je, Rafael Nadal. 6-0, 6-0, 5-0. Monsieur Nadal sert pour le match. Et t'as pas encore gagné, mon gars. Attention, hein, moi j'en ai vu beaucoup des joueurs qui gagnaient 6-0, 6-0, 5-0, et puis à la fin, paaaaaaah! Ils ont gagné, mais avec de la chance! Alors fais gaffe! Allez, vas-y, balance! 15-0. C'était mon dernier cadeau, celle-là! 30-0. Dernier cadeau! Yeah. 40-0. C'était... Balle de match. Une balle de match, c'est ça. Yeah. Faute, mon gars. Mais ouais, mon gars, et ben alors, qu'est-ce qui se passe? On l'a mis dans le filet. C'est dans le carré qui est là qu'il faut la mettre. C'est pas dans le filet, on n'est pas au basket, hein. Et pas là. Et ouais,
Faudrait peut-être changer un peu le truc là. Il faut monter un peu le niveau de jeu. On est plus chez les amateurs, hein? Ok? Eh, papa, qui c'est qui a marqué? Pachina! Qui c'est qui a marqué? Pachina! Tous ensemble, qui c'est qui a marqué? Pachina! Juste l'arbitre, qui c'est qui a marqué? Deuxième service. Quoi? Deuxième service? Oui. Ah, parce que lui aussi, il a droit à des... Ah oui, d'accord. Ah, je crois que c'était juste pour... ok. Si monsieur, le numéro un mondial, a besoin d'un deuxième service... Petite bite. Monsieur Pachina. Quoi? En place. Bah, j'y suis, en place, ça va, oui. Fasciste. Yeah. Non, set et match, Rafael Nadal. Non, sûrement pas, je suis désolé. Non, on la remet. Non. J'étais en train de... Ah, ma fracture. Et c'est ainsi que je me suis fait voler ma finale de Roland-Garros. Depuis ce jour, je ne parle plus à Rafael Nadal. Parce que franchement, entre nous, il m'a beaucoup trop énervé. C'était Mathieu Pachina dans le rôle de l'arbitre. Édouard Bonnet, c'était le cinquième passage de Mathieu avec ce sujet choisi. Un tennisman énerve son partenaire. Alors après, Mathieu Pachina contre Rafael Nadal, Mathieu Pachina contre le jury. On va découvrir les notes d'ici quelques secondes. Et j'en profite pour dire que Mathieu, vous serez le 14 avril prochain au festival Avril des Clowns à Gignac dans l'Hérault, dans votre spectacle de clown, le cabaret de rien. Tout à fait, c'est un solo de clown que je fais donc tout seul. Avec un mec. Et c'est un festival qui s'appelle Avril des Clowns, qui est un super festival que je recommande à tout le monde. Venez à Gignac dans l'Hérault. Très bien, le rendez-vous est pris. On va découvrir les notes et on commence par celle de Bigard. Jean-Marie, quelle est votre note? 14, pas mal. Anne-Sophie, 16, ah ouais. Catherine Barma, c'est un 14. Et enfin, Jean-Luc Moreau, c'est un 13. J'ai l'impression que le secret avait été bien gardé. The secret was well preserved. Bonsoir à tous. Effectivement, Nelson Montfort en direct du stadium où vient de s'achever cette finale extraordinaire. Extraordinary final. Vous rendez-vous compte des qualités de ces deux joueurs physiques et mentales, Djokovic et Nadal, déjà nommés, essayer de tenir 5h53. 5 hours 53 minutes. Et pour ça, je vais essayer d'accueillir, je vais essayer d'interviewer donc le vrai vainqueur, le héros de ce match. Il s'agit bien sûr du spectateur. Eh oui, le spectateur qui a réussi à regarder un match de 5h53. Écoutez, j'en vois un qui, je pense, arrive justement, le voici. Oh mon Dieu. Oh, 5h53. Ouais, c'est long. Désolé, 5h53. Hein. Ouais, on vous comprend, prenez votre temps. Enfin, ne prenez pas 5h53 quand même. Ah. Bonjour Nelson. Oui, bonjour. Bonjour mon cher spectateur. Alors, vous êtes vraiment le héros de ce match. Alors, vous allez répondre à toutes nos questions. Tout d'abord, bravo pour cet exploit, des extraordinaires performances. Comment vous sentez-vous? Écoutez, c'était très long pour vous dire, quand le match a commencé, moi j'avais encore des cheveux. Oui, il a duré longtemps. Non mais je veux dire, je suis épuisé, enfin voilà, la preuve, je tiens plus assis quoi. C'est vraiment, j'ai tout donné, là je ressens des douleurs musculaires dans la nuque, hein, à force de... Oh, c'est... Bien sûr, parfait, c'est une performance physique extraordinaire que vous venez d'accomplir. Écoutez, je vous propose, si vous le voulez bien, de revoir peut-être tout de suite cette magnifique balle de match au ralenti. Oui. Incroyable, incroyable, incredible. Alors,
quels ont été finalement les moments les plus difficiles during this match? Alors, during this match, pendant ce match, effectivement, les moments les plus difficiles pour nous spectateurs de haut niveau, c'est qu'on doit jamais quitter la balle des yeux. Donc là où les cervicales morflent le plus, c'est au service. Spectateur de haut niveau, c'est extraordinaire. On a peut-être une vidéo du reste, une vidéo du service de Rafael Nadal. Ça, on peut dire qu'il m'aura bien épuisé, Nadal. Hein. Écoutez, nous avons peut-être même une interview de Rafael Nadal, Rafael Matador, qui nous dit justement ce qu'il a pensé de ce match. Este partida. J'ai trouvé la performance physique du spectateur incroyable. Tourner la tête à droite, à gauche, pendant 5h53, c'est un exploit. Bon, jouer pendant 5h53 pour nous, c'est facile, on s'entraîne tous les jours. Mais lui, il fait jamais de sport, alors vraiment, bravo! Bravo, effectivement! Bravo, c'est fantastique! C'est magnifique! Magnificent! C'est pas la peine de crier, hein, Nelson. Moins fort. Ah, elle est bonne! Non, elle est bonne! Non, non, elle est bonne! Non, elle est bonne! Non, ok, d'accord, ok! On va demander à l'arbitre! Bonjour. Alors allez-y. On va revisionner la vanne au ralenti. Allez-y. Nelson, moins fort. Ouais, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. On peut applaudir. Bravo. Voilà. Simplement, chers spectateurs de 5h53, que pensez-vous des joueurs français, the French players? Nous, spectateurs, on adore aller voir un match quand un Français joue. Hein. Ça nous repose. On sait que le match va être de courte durée. Hein. Pardon, par contre, quand deux Français s'affrontent, alors là, c'est l'enfer. Ben oui, il n'y en a aucun des deux qui sait comment faire pour gagner. Mais on leur en veut pas, ils n'ont pas été formés pour ça. Hein. Ouais. Alors après cette débauche d'énergie, vous n'avez pas peur d'une éventuelle blessure? Bien sûr, pour tout vous avouer, Nelson, moi, j'ai pas toujours été fan de tennis. Hein. Avant, j'étais supporter de rugby. Mais j'ai dû arrêter à cause d'une blessure, une cirrhose. Cirrhose? Mais c'est malheureux à dire, mais quand t'es supporter et que tu peux plus boire, y a plein de sports que tu peux plus pratiquer. Hein. Le football. Faute! Ah bah non! Ah si, faute! Excusez-moi, c'est faux! Tous les supporters de foot ne boivent pas. Alors regardez, monsieur Ruquier, monsieur Benguigui, sont fans de foot, ils ne boivent pas. Je suis désolé. Enfin, monsieur Ruquier, en tout cas, non. En fait, dernière question, mais last but not least, je ne vous ai pas demandé quel joueur vous supportiez, quel joueur souhaitiez-vous voir gagner cette finale? Bah, vous savez, au bout de 5h53 de match, on supporte celui qui met le coup final. Hein. Mais écoutez, je crois que c'est sur ces mots que nous allons conclure. Je vous propose, j'ai même envie de dire pour conclusion, jeu, sketch et match. Sacha Chubasco et à Nelson Monfort. Merci Nelson. Allez là-haut avec Sacha. On va vous parler depuis les loges. Et chacun pendant ce temps-là va donner une note évidemment à ce sketch dont on peut dire que l'angle was very perfect, dear Nelson. Nous ignorions, c'était une surprise pour nous que vous étiez guest star dans ce sketch. La preuve, d'ailleurs, je découvre, puisqu'on m'a apporté pendant le sketch, la méthode Nelson, ça va m'être utile, moi qui parle pas très très bien l'anglais. Vous donnez des cours d'anglais dans un bouquin maintenant, Nelson. Oui, c'est exact. C'est une bande dessinée qui est assez ludique, comme vous pourrez le voir. Elle est sortie justement en collaboration avec France Télévisions. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu mettre sur écrit ce qu'on vient de faire par oral avec Sacha. The good book to learn English. Exact. By Nelson Monfort. Exact, now the notations. Jean-Luc Moreau, on 20, you give 18, 18. Miss Barma. 16. Mr. Bingagai. 16. I give 18 too. Je donne aussi 18.
très vite, c'était drôle. C'était drôle, Jean... l'angle était bon, l'apparition d'Elson était très amusante. Et l'angle, surtout, Jean. Et l'angle oui, est formidable. L'angle, la bonne trouvaille, c'est l'angle. Oui, oui. Le contre-pied était vraiment original. Voilà, ça, c'est bravo, la bonne trouvaille. Non, très bien. Catherine, un mot. Ben voilà, très bon angle et j'aime beaucoup les deux réunis. Nelson, vous chantez aussi, c'est quoi ce qu'on me dit là? Aimer à perdre la raison, c'est quoi ça? Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est un livre sur Jean Ferrat, un artiste qui m'a vraiment énormément ému. C'est un livre fait en collaboration avec l'aquarelliste Philippe Lorrain, avec Mincho Nguyen également. Mais il n'y a pas d'album. Non, c'est un livre illustré de belles aquarelles sur un artiste qui a beaucoup, je pense, touché les Français. Aux éditions du Rocher. Voilà, exactement. Et une bonne nouvelle, Nelson Montfort ne chante pas. Hein, c'est pas sûr, ça. Bravo en tout cas. En tout cas, je tiens à dire merci à Nelson. Je remercie mille fois Nelson Montfort. Dès que je lui ai demandé, enfin plutôt c'est lui qui m'a supplié pour venir à l'émission. Mais non, dès que je lui ai demandé, il a accepté tout de suite. Merci mille fois à lui, merci à Pierre Dio. Très vite parce qu'on est en retard. Et merci à Thibaut qui a écrit le sketch avec moi. Merci 18 plus 16 plus 16 plus 18. Ça fait un total de 68 points. Pourquoi ils sont allés mettre l'échelle de l'autre côté? Ah, je vous jure. Mesdames et messieurs, finale des internationaux de France de Roland-Garros 2011. Tableau masculin, représentant la France, Florent Père. Représentant la Suède. Quoi? Jamais là où on l'attend. Représentant la Suède, donc, Lamine Lesgat. Mesdames et messieurs, ce match se déroulera au meilleur des 5 manches et le vainqueur sera celui que... Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, techniquement, je crois qu'il fait dodo. Fait quoi? On attend qu'il se réveille? Ouais. Jeu 7 et match, Florent Père. Florent Père remporte ce match sur le score de... Merde, c'est quoi le score? Vous n'avez pas commencé à jouer! Vous n'avez pas commencé à jouer? Non. Oh, et vous qui... Oh là là! Bien, mesdames et messieurs, nous allons tirer au sort la personne qui va commencer à servir. Merde. Vous avez la monnaie sur 500 là. Ah, j'ai que des pièces suédoises, ça marche pas. Pilouf, vous avez la monnaie sur 500 pour les pilouf. Florent Père, pile, Lamine Lesgat, face. C'est pas possible. Hey, vous allez faire un tennis? Ok, j'arbitre. Mesdames et messieurs, un petit peu de silence, les joueurs sont prêts. C'est moi ou il est chiant ce match? Et puis quand même, il va falloir qu'on m'explique quelque chose. C'est pourquoi je tourne la tête de droite à gauche alors qu'il n'y a pas de balle. Tiens, en parlant de balle, va falloir que je passe au contrôle technique pour ma bagnole. Ah non, il n'y a aucun rapport entre ma bagnole et le tennis. Ah si, je sais pourquoi je pense à ça. C'est... Mmh.
Bon, je vais arrêter de parler pendant l'échange parce que c'est... Ah, mon micro est ouvert. Ah oui, bah... Pardonnez-moi. En même temps, depuis tout à l'heure, vous jouez sans balle, alors m'emmerdez pas. On est obligé de jouer sans balle, on est sur un plateau de télé, alors il y a un public, il y a des caméras, si on joue avec des vraies balles, on va les casser. Eh ben, vous pourriez au moins jouer avec des balles en mousse. Mais ça va pas ou quoi? On va pas jouer avec des balles en mousse en finale de Roland-Garros. Eh ben ouais. Et je vous rappelle que vous êtes en finale de Roland-Garros, alors prenez des balles. On va pas jouer avec des vraies balles. Mais pourquoi? Mais parce que on est dans un plateau télé, il y a des caméras, il y a des publics, on peut blesser. Eh ben jouer avec des balles en mousse, j'en sais rien moi. Mais on peut pas jouer avec des balles en mousse en finale de Roland Garros. Eh ben justement, je vous rappelle que vous êtes en finale de Roland Garros, sortez des balles. Mais non, on peut pas jouer avec des pourquoi vraies balles. Pourquoi? Parce que en fait, on est sur un plateau de télé. Ouais. Hein, donc il y a un jury avec des gens connus, tout ça, si on les blesse, on va les abîmer. On a les caméras, on peut pas jouer avec des vraies balles. Eh ben jouer avec des balles en mousse. Putain, mais il ne comprend rien. Mais quoi? On est en finale de Roland-Garros. Ah, bah alors attendez, j'ai la solution. Ce que vous allez faire, messieurs, vous... Balle de match. Mais on peut pas faire une balle de match, on vient juste de commencer, on va pas... Non, je m'emmerde! Jouer la balle de match, le premier qui gagne le point gagne le match. Ouais. Balle, balle en mousse de match ou balle de match Non, parce que comme en fait on est sur un plateau de télé. Ouais. Alors si on fait une vraie balle de match, il y a des caméras, il y a un jury qui est connu, si on les blesse. Ah, attendez, en même temps, tout, si on la fait attendez, en mousse, tout ceci commence vraiment à m'emmerder. Jouer la balle de match, premier qui gagne le point gagne le match. C'est toi. Ouais. Ça m'étonnerait, elle est pleine. Elle est dehors. Venez voir dehors. La trace. Elle est dehors. Venez voir la trace. Elle est dehors. Elle sort. Elle est pleine. Putain, mais arrête de tricher. C'est comme une frontière entre deux pays. Frontière. Monsieur est raciste. C'est ça que ça veut dire. Si j'ai le temps dans un mille, monsieur est raciste. Ça, c'est suédois. Moi, je suis suédois. Attention, je suis né à Rotterdam, moi, monsieur. S'il vous plaît, messieurs, Rotterdam est aux Pays-Bas. Continuez. Ouais, parce que là. Non, elle est pas là. Elle est dehors. Non, il y a milieu tout. Dedans, milieu de... C'est comme tes cheveux, il y en a sur ta tête, il y en a dans la baignoire. Pas du tout. Tu vois ce que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire, messieurs. Messieurs. Quoi? Montrez-moi la marque. Là. Ouais. Non, Catherine, sortez de mon sketch. Non, Catherine. Oh, mais Catherine, vous êtes dingue. Oh, mais non, on peut pas faire ça. Non, vous êtes... Oh, mais si Laurent nous voyait, Catherine. Oh, non. Mais non, mais vous n'y pensez pas, Catherine. Non, pas avec Jean. Non, non. Excusez-moi. C'est ce rêve que je fais depuis 6 mois, là, ça, toujours le même. Bien, avant de finir ce sketch, à la place d'une chute, messieurs, dames, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Voilà, et je l'annonce également à Laurent et à Catherine, en compagnie de tous les pensionnaires de l'émission. Ça me concerne moi et tous les pensionnaires de l'émission. Donc le mois prochain, nous organiserons officiellement... Un arbitre de tennis s'ennuie sur sa chaise. Ah, il s'ennuyait tellement qu'il s'endormait, celui-là. Il a même des micro-sommeils, comme on appelle. Arnaud de Samer, aidé par Amine Lesgade et aussi par Florent Père. Il faut les noter, c'était le dernier sketch de la soirée, même de la semaine. Allez, c'est parti. C'est fait en ce qui me concerne. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que vous avez dit Amine. J'ai dit Amine. Vous avez dit Amine. Alors souvent, on se plante sur le nom, mais sur le prénom, c'est assez rare. C'est la première fois que ça m'arrive. Ou alors Majid à ce moment-là. Non, vous, c'est Hugues. Ah oui, moi... Lamine Lesgade, avec Florent Père et Arnaud de Samer, a obtenu 7 notes de Jean-Luc Moreau. 15, Catherine Barma. 16, Jean Benguigui. 14. Merci, c'est bien. Oh oui, c'est ça, on est dans ces eaux-là. Moi, je vous ai mis 16. Merci beaucoup. Abonnez-vous en cliquant ici.